Yo l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Petit lavli et comme matin là depuis comme matin nous la gravine n'a pas le respect puis love avec petit monsieur là. Amène avec petit lavli la gravine. Mais je connais qui m'a dit qu'il a appelé lui-même la beauté pour la jeunesse pour tout le monde. Non, je vois un message pour tout le monde. Je vois un message pour tout le monde. Je vois ce qui a passé dans le pays. Il y a des gens qui ont voté. Ce n'est pas notre table. Ça veut dire que l'État pays nous a mis dans la situation. Je suis là. Juste nous, nous avons un pour nous recommander un changement en tant que l'autre jeune. Même pas juste dire qu'il y a avancé. Juste tout le monde a fait là. Ok, un message pour vous faire berger. Avec vous avez dans la gravine. Que bon Dieu bénisse. Ok. Au lieu égal, mettez la vie yo en danger, nan chercher voyager sous bois fouillé, nan la mer pour arriver sous territoire américain, natif natal haïtien yo tadwe pito chercher rempli formulaire demande pour aller aux États-Unis nan cadre programme gouvernement Joe Biden nan fait mettez sous pied. C'est avertissement chargé affaires pays États-Unis yo nan pays d'Haïti Eric Stormayer. Depuis dimanche matin 15 février 2023, gen gros tension dans zone Thomasin ak La Boule en haut Pétionville côté gros bruit coup d'âme a fait quinquin d'après témoignage qui vient joindre Alter Presse ak Alter Radio. La nuit samedi 14 janvier 2023, moun nan zone Publin, route frère ak Torsel côté gang exam vite l'homme innocent yo a simé la terre depuis plusieurs mois, té sous gros tension ak kè sauté avec gros coup d'âme qui t'a chanté tout sans arrêter dans zone sa yo. La nuit samedi 14 janvier 2023, bruit gros coup d'âme k'ap chanté presque chaque soir depuis plusieurs mois dans la plaine nan nord Port-au-Prince, té la cause tension avec kè sauté la caille pile moun qui était dans zone nan. La nuit vendredi 13 pour entrer samedi 14 janvier 2023 pour bibiti 4 moun la police suspecte qui t'a bandi mouri nan Troussab nan Gonaïve département Latibonite côté la police t'al mené une opération contre groupe gang exam qui relé Bois Caléa. Samedi 14 janvier 2023, la police nationale l'a dit li arrêté dans Port-au-Prince berger prophète li tap cherché comme suspect dans plusieurs actes kidnapping dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Vendredi 13 janvier 2023, la police nationale l'a arrêté dans commune Liancourt département Latibonite trois monde li suspect cap opéré en dedans gang exam Grand Griffio cap simé la terre depuis plusieurs mois dans département Latibonite là. Entre lundi 2 janvier pour arriver dimanche 15 janvier 2023, il y a 34 personnes qui mourent dans 46 accidents de circulation sur route dans le pays d'Haïti, d'après service technique et coopération pour prévenir accidents machines et motocyclettes sur le territoire national là et stop accident. Lundi 16 janvier 2023, ingénieur Léon Jean-Marie Guillaume, directeur général Conseil national télécommunication Conatel, qui a souffert un bâillon cancer, mourit dans l'hôpital dans le pays États-Unis. Ingénieur Guillaume t'est retourné l'homme dans tête Conatel dans date 22 octobre 2019 après un premier passage entre septembre 2011 pour arriver mars 2016. Dans le chapitre migration, au lieu de mettre la vie en danger, dans chercher voyager sous bois fouillé dans la mer pour arriver sous territoire américain, natif natal haïtien t'a dû plutôt chercher rempli formulaire de demande pour aller aux États-Unis dans le cadre du programme gouvernement Joe Biden n'a fait mettre sous pied. C'est avertissement chargé affaires pays États-Unis dans le pays d'Haïti, Eric Stormayer. Li rappelé application pour programme ça qui permet bénéficiaire à travailler dans pays États-Unis gratis. Depuis dimanche 15 janvier 2023, gen gros tension dans Thomasin et La Boule en haut Pétionville côté gros bruit coup d'âme a fait quinquin d'après témoignage qui vient joindre Alter Presse et Alter Radio. Toujours dans le même chapitre, insécurité à la nuit samedi 14 janvier 2023, moun nan zone Publin, route frère ak Torsel, côté gang exam vite l'homme innocent yo ap simé la terre depuis plusieurs mois, te sous gros tension ak kè sauté avec gros coup d'âme qui t'ap chanté sans rete nan zone sa yo. Situation sa la cause gros tension nan zone nan, an pile moun obligé rete fermé an de kayo pour éviter pour yo pas victime nan zak banditi sa yo. An kote yon extrait. Dans diverses sons, détonations, population dans zone n'a pas Thank you.
cet extrait bricoudzam population tap coûté dans zone Publin route frère ak Torsel. La nuit samedi 14 janvier 2023 brigo coudzam kap chanté presque chaque soir depuis plusieurs mois dans la plaine dans nord Port-au-Prince té la cause tension à caisse sauter la caille en pile monde qui rete dans zone nan. La nuit avant vendredi 13 pour entrer samedi 14 janvier 2023 pour pipiti 4 moun la police suspecte qui t'a bandi mouri dans Troussab dans Gonaïve département la Tibonite côté la police t'a mené une opération contre groupe gang exam qui relé Boiscalia. La police arrive à arrêter tout Deris Jocelyn, Joseph Jimmy, Noël Richie ak Jejus Victor, 4 autres moun li décrit tant comme membre gang exam. Et puis, li saisi 2 armes, yon machine ak yon motocyclette. Samedi 14 janvier 2023, la police nationale a dit li arrêté nan Port-au-Prince Berger Prophète, li tap cherché comme suspect nan plusieurs kidnapping nan zone métropolitain Port-au-Prince lan. Berger Prophète a été toujours affiché sur réseaux sociaux comme yon proche gang exam nan zone métropolitain Port-au-Prince lan, ensemble ak divers alliés li tankou ti la pli yon nan chef gang nan Grand Ravine. La police accuse lui comme quoi il a participé dans plusieurs actes kidnapping dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Toujours dans le même chapitre, insécurité avant le 13 janvier 2023, la police nationale l'a arrêté dans commune Liancou, département la Tibonite, 3 monde li suspect cap opéré en dedans gang exam gang griffio cap simé la terre depuis plusieurs mois dans département la Tibonite là. Dans une publication li fait PNH ta fait connait parmi moun sa yo, li arrêté a li joine Gustave Awol qui gentinon Boss Joël Jacques Fiquier qui gentinon Lumière Rouge qui joine arrestation yo dans zone Liancou pendant une opération la police t'a mené dans Saint-Marc à Gonaïve en même temps. Vendredi 13 janvier 2023 la police nationale l'a dit li arrêté dans aéroport international Port-au-Prince yon moun qui gen passeport pays Panama yo rele Ayala Lopez Ronald Domingo. La justice république dominicaine t'a cherché comme suspect dans l'assassinat sous Anthony Garcia. C'est direction centrale la police qui travaille pour la justice là yo puisque connaissons dans DCPJ qui arrêté individu ça dans aéroport Saint Louverture dans moment li t'a tenté rentrer dans pays Mexique. Individu ça te gen derrière li yon mandat international li a gagné pour li répondre question enquêteur BCN Interpol yo qui nan DCPJ avant yo voye li nan République Dominicaine. Nan chapitre politique, soi-disant accord 21 décembre 2022 Ariel Henry c'est yon mascarade, c'est yon jouet à coquin communauté internationale là pour empêcher une transition coupé fâché rive fait nan pays d'Haïti. C'est disons sous plateforme Alter Presse Alter Radio mouvement paysan papay MPP nan inch département plateau central qui souhaitait un bon jan tête ensemble national tout bon vrai pour retirer pays a nan kachouboumbe li plonger depuis plusieurs mois. Chavan Jean-Baptiste qui c'est à la tête MPP fait qu'on est pas gagné aucune organisation qui représentatif qui signe akosa détant li fait qu'on est si peuple haïtien pas lever camper contre akosa autorité nan pouvoir de facto a tout enterré sacré les démocraties nan pays an. Plus loin, il fait qu'on est à cause ça pas capable mener à aucun changement. Au contraire, il pral engraver crise là et puis il pral déboucher sur un levé campé national. En côté Chavan Jean-Baptiste à la tête MPP capote plus détails pour nous. Bah ça et que yo publié dans les auditeurs son bagage qui pas ka mener à aucun changement. Au contraire, il pral aggraver crise là, ça montre que Ariel pral nan yon bonne avec les pays à notre Pékin, avec tout secteur dans la vie nationale là, qui n'est pas capable d'accepter que PHTK continue à piller les pays à, et avec une inflation qui dépasse 47%, yon dollar aujourd'hui à Cap-Van et 160 goudes, et côté malheureux, pas qu'à manger, côté malheureux, pas qu'à marcher, pas qu'à donc son situation infernale, et eh bien ouais par ouais pour nous-mêmes et qui va le déboucher, qui va gagner l'autre route, qui c'est déboucher sur un levé campé national, un levé campé et pour finalement peuple haïtien prendre cinq pays en main et pour montrer madame la ligne avec tous les pays impérialistes qui veulent imposer nous ça y veulent tout c'est pas de sa ligne là et pour petit pays parce que nous cal fou pour pas gain choix et tout haïtien et natif natal et tout petit de sa ligne Chalmay Peralpio, eh bien, visez, les VKP vous dit non, trop, c'est trop, le pays ça, c'est pour nous lier, faut que nous ayons droit de choisir dans qui
sur route n'a marché pour nous voulons aller. Alors qu'on a et yo parlé et madala l'une des devant l'ONU et devant la sécurité a c'est un accord même accord Montana la donne et bien et après Montana t'a pas le dénoncer bon manœuvre politique et sale et qui fait le 21 décembre côté où on série de politiciens locale on série de conzé contre peuple là et bien al dans un complot on confirme l'eau avec Ariel c'est pour ça liste là pas été capable de sortir et bien et Montaï là il vraiment accouché un sourire et va puis montrer million parti politique connu et qui habitué participer dans élection aucune organisation populaire connue aucune organisation paysanne connue aucune organisation femme connue et aucune organisation société civile qui toujours était dans bataille qui signait par ça excepté moun qui était déjà dans complot contre les haïtiens moun qui était déjà en tête avec Ariel et pour Mosso gâteau mais pas gagné personne donc ça veut dire question consensuelle consensus et qui t'a cherché à travers et accord Montana qui était venu faire Elisabeth Pen qui était l'ouvrir à toute l'autre secteur et bien là nous faisons bac nous retournons à zéro parce que et ça y aurait les accords 21 décembre que yo mandé moun qui blé al signer c'est-à-dire al signer pour marcher derrière roi Ariel derrière empereur Ariel yon empereur qui en bas et contrôle yon proconsul qui relé madan la ligne et bien et ça s'est passé moun la bêtise de pas gen personne qui prend ça au sérieux yon l'autre bofok gen yon tête ensemble national tout bon vrai pour retirer pays a nan kachou bombeli plongé depuis plusieurs mois en côté à la tête MPPA Chavan Jean-Baptiste pour des plus détails pour solution a pour résumer li nan yon phrase parce que tout moun konnen li faut gagner yon entente nationale et faut on sait que aucun et si span fait des bagay en patate si span fait bagay anti pays anti peuple là anti démocratie parce que les yo di yo pral faire élection là certainement depuis yo di élection a côté des opportunistes des patatistes et qui pral inscrire pral dans élection mais c'est pas élection pral y est vrai yo pral nommer des monde et qui pral processus ça pral bloquer et ouais pas ouais et même si yo t'arrivé fon bagay dit que colé yo relé élection mais cap inacceptable je vous dis c'est pas gain route pas bois faut gagner une entente nationale et entente nationale ça c'est une entente entre secteurs clés et dans la vie nationale là c'était à la tête MPPA Chavan Jean-Baptiste accord 21 décembre 2022 Ariel Henry c'est un accord pachiment entre zanmi coquin qui pachita sou anyen, c'est disons parti politique engagé pour développement qui gagne tinon jouet aider ancien premier ministre de facto Claude Joseph a dirigé qui longe droite sou moun qui mettait non parti lien sous liste organisation qui t'a signé soi-disant accord 21 décembre 2022 a n'a rappelé plusieurs dirigeants parti aider en Haïti kou nan diaspora publié plusieurs messages sous compte Twitter yo pour dénoncer accord 21 décembre 2022 a. Toujours dans le même chapitre politique, là, Jocelyn Privert, ancien président provisoire période 14 février 2016 pour arriver 7 février 2017, dit souhaiter chita tande yo ta ra poursuivre en tout sila qui te signé encore 21 décembre 2022 à yon façon pour ta remette campé institution démocratie yo nan pays d'Haïti. N'a rappelé 9 janvier 2023, c'était fin mandat tiré Sénat Kounia pas gain aucun élu nan payan. Nan un tweet li fait samedi an, ancien président provisoire Justin Privert fait konnen fin mandat 10 sénateurs yo qui étaient sorti dans élection sénatoriale dans l'année 2016 yo permettre yo constater dysfonctionnement pouvoir l'état yo ak institution républicaine yo.
Dans le chapitre la santé, les spécialistes ont découvert 4 sous-types COVID-19 qui sont capables de écouter Marie-Farah Fortuné qui a porté plus de détails pour nous. COVID-19, une caractéristique à travers persistance à symptômes, n'est pas capable d'expliquer à travers un diagnostic alternatif suite à une infection SARS-CoV-2. Plusieurs études pour des preuves en pile symptômes axés capables d'apparaître après phase aiguë infection dans le virus, il y aurait les séquelles post-aiguë infection dans SARS-CoV-2. Il affecte plusieurs systèmes organiques, surtout cardiovasculaires, mental, métabolique ou bien rénal. Plusieurs observations cliniques à grande échelle capables de fournir informations utiles sur PASCLAN pour capable étudier mécanismes biologiques et puis mettre à point traitement qui ciblé. C'est dans poursuite objectif ça que plusieurs chercheurs dans Weill Cornell Medicine pays États-Unis utiliser intelligence artificielle à travers apprentissage automatique pour capable classifier groupe symptômes la caille environ 35 000 patients qui ont COVID longue. Recherche nan gen la dan de gros cohort patients tout est présenté pour pipiti un symptôme persistant en 30 rivé 180 jours après infection. À partir de 137 symptômes persistants différents, méthode là te mette en évidence 4 sous phénotypes COVID long yo dominé à travers affection cardiaque et rénale sous phénotype 1, système respiratoire, problème sommeil et anxiété, système musculo-squelettique et nerveux et puis système digestif mais tout respiratoire. Une grosse étude britannique fait connaître COVID long là capable classer dans 3 groupes symptômes cognitif, respiratoire et respiration. Yon communiqué université américaine nan fait konnen ak nouveau résultat yo, moun k'ap fè recherche yo poursuiv recherche yo sou plizye axe, sitou identification facteur risque ak traitement efficace pou chak sous-type COVID long. Lundi 16 janvier 2023, ingénieur Léon Jean-Marie Guillaume, directeur général Conseil national télécommunication Konatel, ki tap soufri an bayon cancer, mouri nan yon l'hôpital nan pays États-Unis. Ingénieur Guillaume te retourné long main en tête Konatel nan date 22 octobre 2019 après un premier passage entre septembre 2011 pour arriver mars 2016. Pour l'année 2022, il y a 9 journalistes qui mourent dans le pays d'Haïti, sur un total 86 journalistes qui perdent la vie dans le monde, parmi eux 44 dans la région Amérique latine, d'après un ramassé organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, plus connaît son nom UNESCO. UNESCO précise, journalistes mourent après au fin fait un reportage sur crime organisé, montée extrémiste, corruption, crime contre environnement et la trier. Dans le chapitre la kilti à cause du climat latéral gang examen dans pays au lieu Port-au-Prince c'est au cap entre vendredi 20 pour arriver dimanche 22 janvier 2023 16e numéro festival Pap Jazz la a fête Anissa avec musiciens 9 pays parmi eux pays d'Haïti. Gepipiti 7 plateaux artistiques à recevoir plusieurs artistes qui sont dans 9 pays tant que Canada, Chili, Cuba, Espagne, États-Unis d'Amérique, la France, Haïti, Mexique et République Dominicaine pendant déroulement événement culturel ça. C'est ville au Cap Haïtien qui a l'honneur, c'est une édition qu'a faite pour rendre hommage à Toussaint Louverture, symbole liberté côté dans l'année 2023 a fait les 280 l'année depuis l'été faite. Dans le chapitre insécurité dimanche 15 janvier 2023, Mackinson Silus, yo plus connaît son nom Kenken, la police identifiée comme yon chef gang Troussabio, nan Gonaïve, mouri nan l'hôpital public Gonaïve lan, département la Tibonite, après elle te blessé en babal nan Boukantay Koudzam ak la police, la nuit vendredi 13 pour entrer samedi 14 janvier 2023. Mackinson, même Jacques Sislot, individu, te réussi échapper pour lui pendant opération ça, l'ital prend soin dans l'hôpital nan Lester côté la police arrêté et puis transféré dans l'hôpital la Providence nan Gonaïve côté l'Iran dernier souffle. La police nationale l'a fait connaître, li empêché dimanche 15 janvier 2023 yon zak kidnapping fait sous deux moun dans zone Bon Repos détant rivé saisi trois armes parmi yo yon fizi M4. Dans une publication li fait sous compte réseau social li, la police l'a fait connaître pendant bandi yo té sous route pour entrer dans base yo ak deux otages yo, yo tal contre bap pou bap ak yon backup brigade intervention pour Bon Repos qui t'a fait un check routine, bandi yo té louvri coup d'am sous la police qui t'a riposté. Yon nan yo ki te rele Jimmy rive pedi la vie li nan mouman affrontman sa yo. Pendant opération sa, la police rive saisi 3 armes parmi yo, yon zam d'assaut, yon machine Toyota ak 2 motocyclettes. Nan chapitre la justice pou sak passa ak lot kalte mauvais comportement, gen à peu près 20 magistrats juges parmi yo, chef paquet tribunal civil nan pays a
qui pas capable continuer jouer rôle magistrat juge dans système la justice pays d'Haïti a c'est disons conseil supérieur pouvoir la justice là yo plus qu'on est sous dans CSPJ qui bail 30 autres magistrat juge certificat bon comportement dans même chapitre ça mettre Jacques Lafontaine qui c'est commissaire gouvernement parquet tribunal civil Port-au-Prince accusé ancien ministre justice Berthaud Orsay Pamimoun qui t'a la cause CSPJ pas bal certificat bon comportement dans la justice pays d'Haïti a en côté intervention maître Jacques Lafontaine capoter plus détail les politiques et moi même penser que et en tant que même nous sont une bonne fonction officielle et politique m'a exercé je suis représentant de l'exécutif dans le judiciaire et que maintenant je pas assujetti encore une fois au règlement de certification du CSPJ attends-moi c'est que le CSPJ doit se ressaisir pour qu'à jamais, il ne va jamais entrer dans certifié magistrat de Bouillon parce qu'il n'y a pas de droit ça. Mais bien sûr, il n'y a pas de refuser l'homme. Moi, je t'ai dit que je ne vais pas démissionner encore. Je vais faire les gens qui m'ont fait. Et maintenant, je vais révoquer, mais je vais révoquer bien. Il faut révoquer bien, il faut révoquer bien. Ah, moi, je ne vais pas révoquer. Si je ne vais pas démissionner, il faut révoquer. Je ne vais pas arrêter là éternellement. Je ne vais pas démissionner encore parce que ça, c'est mieux. Il faut travailler pour manger, pour m'habiller, pour vivre. Je mange de ma petite moi. Vous êtes d'accord avec moi? Et si je ménage, je vais me prendre soin de tout. On n'a pas dit barre ménage, on va dire barre ménage. Donc maintenant, si je suis là, je travaille, je ne vais pas tout courir, démissionner pour nég. Mon nég a volé, il y a une corruption. Moi, je vais me dire, je ne vais pas 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 et Ariel Henry. C'était un extrait dans l'intervention du commissaire gouvernement pour le Brésilien, M. Jacques Lafontaine. Pas gain temps pour perdre pays en danger doit gagner bon gens tête ensemble l'âge mon l'âge pour retirer pays d'Haïti dans quatre bombe lié à li nécessaire tout pour avancer sous chemin un gouvernement qui va sortir dans élection cap gain un mandat clair dans mes peuple là pour faire face carré à tout groupe problème yo c'est disons ancien gouverneur général Canada Michael Jean dans un article li écrit dans la presse.ca. Toujours dans le même chapitre politique, la bio suivi à Montana dit qu'il n'y a pas rien pour voir, ni de près ni de loin, dans l'accord 21 décembre 2022, à quelques mois, dans le signé dans le groupement accord Montana. D'après James Beltis, c'est une manœuvre malhonnête, bon côté pouvoir en place là. En côté, James Beltis, capoter plus de détails pour nous. Nous n'avons rien pour nous voir, ni de près ni de loin, avec un processus comme ça, parce que nous-mêmes, au niveau Montana, et nous croyons que dans la crise là, tout processus qui doit engager le pays, il doit être dans le cadre, il doit être dans la transparence, il doit être dans le dialogue avec différents acteurs, et il doit être dans le sérieux, et il doit être à la hauteur du défi que nous avons intéressé là. Et que ça nous est qui fait là, il va gagner rien dans ça. C'est bon bagage qui fait dans le dialogue avec le groupe, force du pays. Il n'y a pas fait de transparence, pas de monde qui connaît, qui gens qui processus qui mène pour le consacrer à Ariel Henry comme moi, et que pour tout le monde net, et pour un gouvernement qui n'a aucun monde pas aucun pouvoir sur lui. Donc, ce n'est pas un bagage qui à la hauteur du défi que le pays a obtenu, parce que le pays a une vie institutionnelle qui est extrêmement grave et aiguë. Donc, tout le monde connaît que la crise de légitimité qui gagne en dans le pays, minimum légitimité pour dirigeants jeunes, c'est un large consensus pour sortir. Donc, pour nous-mêmes, ça rentre dans le cadre même manœuvre que pour pouvoir en place ça, ou bien régime qui en place là, fait depuis presque 10 ans, fait bagaille même pour les Haïtiens, hein? Et puis fait bagaille pour empêcher les bagailles sérieux fait. C'est comme ça nous vivons, bon, c'est ça pas étonné nous, et niveau de d'irresponsabilité et du mépris ça pour force organisée en d'un pays. C'était Youn Naman Bureau suivi à Comontana yo, James Beltis. Ou ap koute 24 sur Alter Radio 106.1 FM en stereo sur www.alterradio.org ou journal training ak tout l'autre plateforme internet yo. Actualité internationale nan ak collaboratrice nou Marie Farah Fortuné. Parrain mafia yo plis tap chache peyi Itali, Matteo Messina Denaro ki touye an pil moun, journaliste arrestasyon lundi Palem apre 30 ans li tap viv nan kache. Lejad Matteo Messina Denaro, 60 l'année, égalé gros dirigeant historique Cosa Nostra, Totorina ak Bernardo Provenzano ki mouri nan prison. Matteo Messina Denaro, jeune arrestation nan yon clinique Palerm d'après sa général carabinier Pascale Angelo Santo, déclaré nan yon déclaration vidéo pour la presse.
enlèvement, mariage et conversion forcée quelques jeunes femmes qui sont dans la minorité religieuse a augmenté au Pakistan. D'après sa expert dans le droit de l'ONU, il a dénoncé lundi 16 janvier, côté le gouvernement pour agir bien vite pour mettre fin à la pratique ça. Toujours en Asie, général division Herzi Halevi investi lundi 16 janvier en chef état-major l'armée israélienne pour un mandat 3 l'année dans une cérémonie dans bureau premier ministre Benjamin Netanyahu Jérusalem. Herzi Halevi qui était numéro de l'armée a remplacé Aviv Kochavi qui était en poste depuis 2019 côté au metel général Kolamé. Et puis l'nombre journalistes a augmenté à 50% dans l'année 2022, 86 nan yo. Te jeune nombre yo nan monde lan année passée soit environ youn chaque 4 jours d'après ça l'UNESCO dénoncé lundi 16 janvier. Agence onisienne nan qui trouvait la Paris déploré un renversement tendance positif dernière année yo. Les assassinats yo te tombé à 58 en moyenne en 2019 ak 2021 contre 99 l'année 2018 lan. Sous 86 journalistes qui mourent l'année passée, contre 55 dans l'année 2021, 19 sous pays Mexique, 10 Ukraine et puis 9 pays d'Haïti, 3 pays côté profession la cause plus sans couler d'après sa l'UNESCO fait connait. Nan kilti artiste Gina Lolo Brigitta fait voilà pour pays sans chapeau, li te gen 95 l'année sous tête li. An koute Marie Farah Fortuné ka pote plus détails pour nous. Actrice italienne Gina Lollo Brigida, yo konnen nan rôle Notre-Dame de Paris ou bien Fanfan la Tulipe, mouri 16 janvier 2023, li te gen 95 l'année. Gina mouri lundi 16 janvier, d'après sa famille fait konnen bon côté agence presse italienne ça. Comédienne italienne nan te gen 95 l'année. Li te joué avec Pi Grand yo nan 7e A et puis te marqué cinéma italien ak international la pendant année Coriel, surtout entre année 1950 ak 1960. L'été dépilé ça reconverti dans photographie. Yo pas précisé cause l'amol, mais actrice santé hospitalisée septembre passé après l'été fin tombé, ça qui t'est entraîné col family cassé. Li fait 4 janvier 1927, vrai nom c'est Luigi Lollo Brigida. Li commencé carrière dans année 1948 côté il t'a joué deuxième rôle. Grand public l'a t'est venu découvrir dans l'année 1952 dans film Fanfan la Tulipe, Christian Jacqueline côté il t'a bail réplique avec Gérard Philippe. Après ça, il a été remarqué pour interpréter dans Pain, Amour et Fantaisie dans l'année 1953. Gina Lollo Brigida tournait avec Pi Grand-yo surtout dans Hollywood face à Humphrey Bogart dans Plus fort que le diable, mais tout Burt Lancaster et puis Tony Curtis dans Trapèze. Il était joué rôle Esmeralda dans le film Notre-Dame de Paris, Jean Delanoy. Il était tout dans registre dramatique avec La Loi, La Proie des Vautours ou bien Salomon et la Reine de Saba. Dans santé, plusieurs spécialistes découvrent plusieurs moustiques qui résistent en pile dans le continent asien. En côté, Marie Farah Fortuné qui a porté plus de détails pour nous. Dans quelques régions Asie, mutation génétique moustique Aedes aegyptien rend résistant en pile face à insecticide. C'est une menace pour prévention maladie virale moustique transmettre tant que dengue, zika, chikungunya et fièvre jaune. Une équipe chercheurs japonais alerté sur nécessité pour une solution alternative à l'autre méthode protection tant que vaccin. Moustique qui transmet dengue et l'autre maladie virale qui parfois sévère qui développe une grosse résistance face à insecticide dans région Asie ak l'autre méthode pour mettre fin à propagation yo doit fait bien vite d'après une étude japonaise qui publié pas trop longtemps. Épandage insecticide dans zone qui infesté ak moustique yo c'est une pratique yo jwenn an pile dans région tropicale et puis subtropicale. Résistance santé déjà un souci, mais en plein problème là, yo pou ko konnen jusqu'à kounya. Scientifique japonais Shinji Kasai ak équipe li étudier moustique plusieurs pays Asia, Ghana et constaté mutation génétique qui rend quelque immunisé contre insecticide utilisé en pile tant que permétrine. Directeur département entomologie médicale dans l'Institut national japonais maladies infectieuses découvrit quelques types moustiques insecticides ta doit éliminer à 100% pour juste qu'on y a seulement à 7% ça fait même une dose toxique qui 10 fois supérieure tient seulement 30% niveau résistance là varie d'après région yo. Les différents net entre Cambodge et Vietnam, par exemple, d'après Kasai. Travail yo révélé tout Ghana, dans quelques parties Indonésie et Taïwan, insecticides qui existaient toujours à fonctionner. Yon résistance à insecticide yo yon l'autre bois yo te constaté le tout la caille moustique tigré Aedes albopictus, mais à un degré qui pi faible.
Etude sa, Science Advance publié fin mois décembre, montre stratégie yo utilisé en pile yo capable pi efficace pour contrôler population moustique qui nuisible yo l'autre produit chimique nécessaire. Mais autorité ak scientifique yo doit tout réfléchir ak l'autre méthode protection tant kou vaccin.